Et what's up guys, ici Monster et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois à la suite de notre aventure sur Tomb Raider. Où dans le dernier épisode on n'a pas pu sauver notre ami le pilote du bateau. Et on s'était fait attaquer par je sais pas combien de méchants. Et puis ben faut continuer d'avancer tout simplement. Et je sais plus par où je dois aller. Là-haut. Ok. On va essayer d'atteindre ça aussi. Oh. La fail. Hop. C'est bon. Je suis bien, il y avait 50 millions de méchants par ici. Non, il n'y en a plus. Et je me dis, il y en a encore quelque part. Ok, ça ne rejoint pas par ici. Ok. Enfin, faut que j'aille. Là. Ok. Mais pour aller là, il me faut. J'ai pas où. Ici, ça mène juste. Ok. Ouf. Non, on veut. C'est sûr, je crève tout de suite. C'est clair et net. Mm-hmm. Oh, c'est pareil. Ouais. C'était clair et net. Ah, le piège. Ou on peut aller là, simplement. Ok. Je peux quand même atterrir là, mais je suis mort, c'est que j'ai atterri ici. Okay. Nice. Ça, on peut. Bitch. Ouh. Je l'ai. Wow. Ross, je te couvre, Lara. Tu peux grimper maintenant. Oh, merci. Bien joué. C'est quoi? Il y a un sniper. Ross. Oui. Grimm est mort. Ils ont essayé de l'utiliser pour m'obliger à me rendre. Mais il a préféré se sacrifier. Grimm. Foutue tête de mule. Je suis désolée, Ross. Non, ce n'est pas de ta faute. On ne l'oubliera pas. On trinquera à sa mémoire dès qu'on sera rentré chez nous. Je vais essayer de me rapprocher. Tu crois que tu pourras me couvrir ? Le pont. Oui. J'ai une vue dégagée sur tout le pont jusqu'au mur du palais. Ok. Ici hélicoptère de sauvetage November 888 Romeo Charlie répondant au SOS émis par l'avion cargo Trinity. Ici Conrad Ross de l'Endurance. Vous me recevez ? Lara, t'as entendu ça ? Un hélicoptère de sauvetage est en route. C'est génial, Ross. Envoie un signal. Ouais, mais je peux qu'il finisse comme l'autre. Mais Lara, je devrais peut-être. Ce n'est pas comme pour le pilote, Ross. Sam et les autres sont là par ma faute. Je vais les chercher. Non, on espère que. Ah, on a un point de compétence. Expert au piolet. Utilisez votre piolet pour cranter pour porter un coup surpuissant capable d'étourdir vos ennemis ou d'esquive contre-attaque. Ou après avoir esquivé une attaque, plantez une flèche dans une ennemie pour le rendre vulnérable à un coup critique. C'est clair que je pense. Nice.
Nice. Oui, je mets beaucoup plus de points pour me battre parce que. Généralement, c'est ce qu'on cherche dans un jeu. Je pense que c'est vraiment par le collège, ouais. Mais je vais aller voir par ici s'il n'y aurait pas eu des matériaux. Est-ce que c'est. Ouais, j'ai remis par là. Ouais. Ouais, je me suis perdu. Ok. Il y avait pas genre plein d'ennemis tantôt plus soudainement il est encore. Ce pont grouille de gardes. Super. Une idée? Ok c'est lui. Oui, mais c'est ça lui. Va pas être facile. Tu peux sûrement traverser par en dessous. En dessous? C'est exactement ce que je craignais d'entendre. Ne t'en fais pas. Je te couvrirai. Compte sur moi. Ok. Bah par en dessous c'est bon. Ça nous évite de tomber sur toutes les méchantes de la terre, hein, c'est vrai. Putain, c'est des caisses de matériel? Non, non, non. Ok, c'est bon. On continue. J'espère que ça va pas être super que ça. Je les ai dans mon viseur. On y va. Je compte sur toi, Ross. Pendant un instant, j'avais oublié où que la touche était. J'ai rué un peu pas. Ouais. Tu crois qu'ils ont eu la fille? Non. N'en fais pas. Si c'est pas le cas, on viendra à nous. Le père Mathias nous enverra chez Léonie si on la trouve pas. Seulement si on est jaloux. Ça va. Tu m'y suis? What? J'ai-tu raté de quoi là ou Ok. Ok, puis là ça marche. Mais tantôt ça voulait rien savoir. Ok, c'est brillant ça. Tu fais de quoi? Il pour stop, attends, je l'ai presque. Vas-y. Stop, attends, attends. Nice. Lara, la voie est libre. Merci de m'avoir couvert, Ross. Je crois qu'on est quitte. Non, Lara, attention, attention. Attention. Et lui faire la peau. Tout de là. Oh bon dieu. Oh 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 oh. Hii. Shit. Lara, ils sont trop nombreux. Ne reste pas là. Shit. Ok. Fine. Tu vas aller par là. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tout est prévu, tout était prévu. Mais évidemment. Ok. Assez pioler. Toujours là, nous sauver dans la vie dans les bons moments. Ok, Ross. J'y vais. Tu avais pas vu ce tantôt. Je vais les chercher, Ross. Je vais revenir. C'est promis. Pourquoi t'as pas les cheveux? Et ça devient très étroit. Ah, avec l'écran en plus. Non mais, si on serait à sa place, honnêtement.
Ça serait fucking dégueulasse, puis vraiment pas le fun. Puis est-ce qu'on serait vraiment capable de faire ce qu'elle fait? Bon, c'est sûr que c'est un jeu, là, mais c'est pareil. Si ça c'était vrai. Des catacombes. Entrée de la grotte. Ok, c'est une grotte finalement. Oh. Ah, faut sauver tout le monde. Ok. C'est sûrement un lieu de culte, j'imagine. T'as peur. Ok, bon. On continue. Puis faut sauver tout le monde. Oh. Non, pas si je voulais faire. C'est ça, ok. Juste me rappeler un peu des touches, ça fait mal. Écoutez-moi. Dans l'autre monde, nous n'étions rien. Mais ici, nous sommes les Solari, les enfants de la Reine Solaire. Elle nous a amenés ici pour une raison. Je sais que vous aspirez à être libre. Je sais que vous voulez quitter cet endroit. Mais pour y parvenir, nous devons libérer notre reine. Comme nous, elle est prisonnière. C'est en la libérant que nous nous libérerons. Ok, c'est sa cérémonie. Le sang de cette île coule dans ses veines. Elle est peut-être la clé. Le rituel des flammes va nous montrer la vérité. Imiko, tu es le commencement et la fin. Fais entendre ta voix. Tu as tué notre frère. Maintenant, je vais te tuer. Ça, c'est pour Vladimir, sa chaîne. Assez. Dimitri, Nikolai, amenez-la moi. Merde. Fais ça. Toutes les créatures du monde font face et se battent dès que leur vie est en danger. Je ne désapprouve pas cette réaction, jeune fille. Je fais seulement ça depuis beaucoup plus longtemps que toi. Préparez-vous, mes frères! Notre reine va bientôt nous parler! Parle-nous, Imiko! Parle-nous à travers les flammes! Je suis désolée. Regarde-moi! C'est sûr! Elle est l'élu! Bientôt, mes frères, nous serons libres! Emmenez-la dans la salle du trône. Ton combat est terminé, créature. Ah! Je ne vois pas le corps. Je ne crois pas qu'elle ait survécu à la chef. On va descendre voir. Ah, ramenez-vous. Shit, quand même, hein? Belle rivière de sang. Ah, oh, mais tu sais, des os, ça craque.
crate géothermique. J'espère que j'ai été capable de. T'as un petit des flèches. Fuck, on a zéro flèche. En parlant de flèches. Une sorte de gaz naturel. Ça a l'air dangereux. Ouais, fait que. Ouais, mais sinon, j'ai pas où, c'est pas parler. Que je fasse quoi? Qu'est-ce que c'est, genre vraiment un peu par là? Mais c'est quoi là-bas? Il me faut quelque chose pour enflammer le gaz. Ok. Quelque chose pour enflammer ça. Si. Ok. Ça, j'avais vu du feu ou quelque chose. Mon personnage checké. Si, si, si. On n'a pas accès par vrai, c'est ça la peur. Il y a du feu, mais. Un peu comme tout. Mais je fais quoi, ici? Si je t'en ai sérieux. What the fuck? Si tu as raté quelque chose, mais quoi? Non, non, ok. Bon, fait que, ouais, la fois si j'ai ça, j'avais oublié qu'on a des flèches en flamme. Boum! Fuck. Quand j'ai pas, j'ai passé, hop là. On va sauvegarder. C'est de la folie. Cet endroit est de pure folie. Mathias croit que l'esprit de Himiko nous retient prisonniers ici. Ce n'est pas possible. Mais il a atteint un tel degré de folie. Petit, pas Himiko. Il est peut-être parvenu malgré lui à une certaine forme de clairvoyance. L'hélicoptère n'est pas la solution. Tu le sais, Lara. Au fond de toi. Je dois prévenir les autres. Si nous embarquons dans l'hélico, nous sommes morts. Voilà, faut pas non plus capoter avec l'écho, je pense que. Je
Ok. Et quand on est rentré ici. Tiens. Je sais pas si. Ah. Oh oh. Pitié, ça c'est qui? Il est pris pour qu'il te tue rapidement. Oh mon dieu. Oh non. C'est horrible. Ah, wesh. Ah, j'avais oublié. Ils sont fous. On veut pas qu'ils nous voient ce jeu. Puis évidemment, ils vont nous voir. Il a sorti où? Oh, tabac. Il m'a voir dessus. C'est clair qu'il me voit dessus. Mais... Peut-être que... Je peux passer ailleurs que... Parce qu'il me semble que si je vais là-dessus, je suis crève, tiré. Moi j'entends quelqu'un. Il est où? Ah, j'ai vraiment entendu proche, je sais pas. Ils sont partis? Sérieux? Ils sont partis? Bah, c'est là la sortie, hein. Calice. C'est tout? Non mais c'est parce que j'ai genre fait fucking full bruit là. Wow, wow. C'est pas juste que je me cache là. Avant que lui tire. Ok. Ah, j'ai plus. J'ai même pas que j'ai plus de flèche. Mais. Ah, oh, t'es jamais. Ah, oh, tabarnak. J'ai un beau headshot. Hey, on a un problème. Ramène-toi.
Ok, c'est bon. Okay. Fais gaffe, tu vas abîmer le panneau. C'est bon, t'étais en train de perdre. Oh non, ça recommence. M'en occupe. J'ai besoin d'aide, par ici! Ah, j'ai explosé. Ouais, ah, ouais, c'est vrai, ça, ça a pété. Fuck. Ok, reste juste lui. C'est bon. Ok. Parce que pour l'instant... Là, j'imagine qu'il faut que j'aille par là. Exactement. Parfait. C'est quoi ça? Alisha, ma chérie. Je ne voulais pas écrire cette lettre. Mais si je ne le fais pas maintenant, l'occasion ne se représentera peut-être pas. J'ai quelques problèmes à résoudre et... il se pourrait que je reste loin de toi plus longtemps que prévu. Je ne sais pas quand tu liras cette lettre, mais je veux que tu saches que je me suis battue pour toi. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Tout ce temps loin de la maison, l'argent économisé, les sacrifices. Je suis désolée pour tout ce que tu vas devoir endurer sans moi. Si je ne reviens pas, va voir Conrad Ross. Tu ne l'as jamais rencontré, mais c'est le meilleur des hommes. Et c'est ton père. Tu as ses yeux. Tu es la plus belle chose de ma vie. Et je t'aime plus que tout. Oh my god! Fake crush. J'ai fait une femme avec Reyes. Wow. Je me demande s'il arrête ou quoi. Pas de point de compétence, hein. Nope. Faut vraiment genre que j'aille par le haut, hein, ça. Ok, fait que... on va utiliser ça. Ouais, crève pas par contre. Et voilà. En effet. T'es sous presque hépatité. Ça c'est pour crime. Ok, donc on va essayer de s'échapper d'ici. Je crois que ça c'est une bonne idée. Il a retrouvé ça, mais les autres aussi. Tu es la tempête qui gronde la nuit.
Nous sommes tes enfants, et nous attendons le jour où tu nous éclaireras, où tu nous guideras. Désormais, vous êtes des Solari, mes frères. Priez, chantez les louanges. Entrez, remarquez. C'est quand même plus facile de faire du monde, ça. Juste une flèche et boum. Faut que j'utilise un peu de gaz et tout va exploser. Non? Ok, ouais, c'est ça. C'est bon. Ouais, tu t'exploses là-dedans. C'est pas. Fais chute tout d'un coup. Ok. Je sais par quoi j'ai envie. Ok. Ah, c'est les amis. Tu vas voir, tu vas adorer quand je te planterai une de ces flèches dans le cul. En a une qui a du caractère. Hé, évite de les exciter. On a du boulot. Quel crétin. Bon. Sur ce, on peut apercevoir nos amis qui sont dans un avion ou un hélicoptère, ça. Je pense que c'est un hélico, moi sûrement. On peut apercevoir nos amis qui sont dans cet hélico et on est à deux doigts de le sauver. Mais pas aujourd'hui. Sur ce, on se revoit dans la prochaine vidéo. Sur ce, c'était awesome. Peace!